Sans qu'on pense de pénalité. Judges the marks for Orion Ilovo, Judge C, 66.4%, Judge N, 65.6%, Judge E, 68%, an average of 66.67%, 50 penalty points for the central year. Et le numéro 73, Ilinka Kutzmann, qui nous présente Karivatal. Number 73, Ilinka Kutzmann. Canada Club. Thank you.
Et on remercie Humanitaire, Fitness, de la qualité, Thomas Floyd. Et les résultats de Emily Louonen pour la Grande-Bretagne, jugeant C 64%, jugeant M 62,2%, jugeant E 69,2%. Une moyenne de 60,3% et un total de 50,8 de pénalité. Voilà, elle en a terminé sans pénalité. 7 minutes 19 sans pénalité, Orlan Hydro avec Naomé Deglin. 10 points de pénalité. Et donc, ce serait Émeric Georges qui emporterait le prix Maximat. Un grand bravo néanmoins, bien sûr, à Orlan pour ce très beau résultat. Et voilà, donc ce sera Émeric Georges qui sera attendu pour la remise des prix. Mais on attendra également les autres parce que... Well, that was clear for Orlan Hydro with 7 minutes and 19 seconds. 10 penalty points for time for Orlan Hydro with Naomé Deglin. Emily Louonen had 20 jumping penalties on fence number 6, but she has gone on and she's cleared. She is now clear over 16 and 17, going towards the second lake fence. Ilonka Kloetmans for the Netherlands, clear up to fence number 10. And just started for Canada, Rebecca Howard Riddlemaster, number 28. On a total of 41 penalty points, lying sixth after the dressage. So a good score there for the Canadian rider, Rebecca Howard.